Voilà. C'est l'Eurovision Attitude, voilà. L'Eurovision Attitude. Rappelons que toutes les chaînes du groupe télévision, France Télévisions, oui, sont mobilisées pour ce programme. Et maintenant, on va découvrir le choix... Jennifer Chevalier. Jennifer Chevalier. Alors, c'est la chanson numéro 3. Elle a commencé à 11 ans. C'est la Benjamin, la plus jeune artiste de la sélection. Elle a déjà fait beaucoup de scènes. Elle a joué dans la comédie musicale Les 10 commandements. Elle a un point commun, d'ailleurs, avec Marie Myriam. Elles ont travaillé avec le même homme, Jean-Paul Carra. Qui s'y connaît? Il est là, Jean-Paul Carra. C'est lui qui a fait L'Oiseau et l'Enfant. Salut, Jean-Paul. Jean-Paul Carra qui se lève. Voilà. Alors, si c'est Carra, c'est karaoké. Oui, c'est karaoké, oui, très bien. Bravo, Tex. Voilà. Alors, dans ce cas-là, alors, sa chanson. Jennifer Chevalier chante cette chanson qui s'appelle Mon étoile. La chanson de Jennifer Chevalier, c'est la numéro 3. À vous de jouer, à vous de voter. Avec nous, Julien, la dernière gagnante française de l'Eurovision. Sous vos applaudissements, Marie Myriam. Marie Myriam. Devant Jean-Paul Carra dans la salle. Oui, Jean-Paul, salut. Devant Jean-Paul. Alors la Marie, ça nous touche que tu sois là, mais tu aimerais de passer le flambeau à quelqu'un d'autre, j'imagine. Ah oui, j'aimerais bien passer le flambeau, oui. Je suis pas la seule. Alors, ce sera Médité ou les Fatal Picard, on va le savoir dans quelques instants. Est-ce que vous voulez entendre Marie Myriam chanter? Alors, attends, silence. Tout le monde comme reprend. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, nous trouverons ce monde d'amour. L'amour, c'est toi. L'amour. Pour remplacer Marie Myriam sur la plus haute marche, parce qu'on a dit qu'on voulait gagner cette année, hein. C'est vrai, Julien? Oui. On aimerait bien gagner. 12 mai. Qui des Fatal Picard ou de Médité? On va le savoir maintenant. Arrête le suspense, Tex. Arrête, on y va. Regarde. On va se retourner. Voilà, on se retourne vers.